Bonsoir et merci d'être présent pour ce nouveau Facebook Live. Vous savez, c'est un exercice, je crois, utile, puisque dans cette période-là, nous ne pouvons pas nous rencontrer. Alors, on peut se voir parfois sur le marché ou dans d'autres endroits, mais on ne peut pas organiser de conseils de quartier ou de type de réunion. Et je dois dire que ça manque aussi de ne pas avoir vos retours, vos observations et vos interrogations sur un certain nombre de sujets, surtout qu'il y a évidemment matière. Il y a matière aujourd'hui. Nous sommes toujours dans une période très, très difficile. Je suis obligé de le rappeler. Cette période, c'est celle du confinement. Elle va prendre fin progressivement. Elle a pris fin déjà en partie depuis le dernier week-end où les différents commerces peuvent désormais réouvrir. La plupart des commerces, sauf les restaurateurs, c'est une bonne chose. Il y avait samedi dernier sur le marché du centre-ville, par exemple, beaucoup de monde. On voit que les gens ont envie de sortir, mais encore une fois, sortir c'est bien, attraper le virus c'est évidemment beaucoup plus grave. Donc il faut que nous restions prudents, même dans cette période-là. Il y aurait une deuxième phase qui arrive bientôt, à partir du 15 janvier, où cette fois-ci, eh bien, il y aura beaucoup moins de limitations. Mais encore une fois, beaucoup moins de limitations, ça ne veut pas dire que le virus ne sera pas absent. Il le sera présent encore pendant de longs mois et jusqu'au moment où on pourra administrer les vaccins qui sont aujourd'hui bientôt sur le marché. Et puis après, il y aura une troisième phase, mais plus tard, 20 janvier, où les restaurateurs vont pouvoir enfin réouvrir. Je voudrais d'ailleurs leur dire un mot aux restaurateurs. C'est vraiment une situation extrêmement difficile qu'ils n'ont jamais connue. Déjà au printemps, maintenant cet automne, beaucoup de restaurateurs me font part de leurs très grandes difficultés et certains, malheureusement, m'annoncent qu'ils vont fermer boutique, qu'ils n'ont pas les moyens de continuer, qu'ils ont puisé dans toutes leurs économies et qu'ils n'arrivent pas à faire face à leurs charges. Donc vraiment, il faut que nous soyons de tout cœur avec eux, qu'on pense à les soutenir quand on peut aller faire passer des commandes, on peut aller faire des chercher des repas, on peut se faire livrer des repas à domicile, tout ça quand même les aide beaucoup. Je voudrais penser à eux, je voudrais penser aussi à tous les équipements culturels, notamment à notre cinéma qui souffre beaucoup, puisqu'il ne peut pas réouvrir. C'est évidemment pour eux une très grande difficulté, au Pingalan également qui est dans la même situation, au Krakatoa, et à tous ces équipements culturels. Merci d'abord, il y a pas mal de questions, j'en ai déjà reçu, puis j'en vois apparaître. Immédiatement sur le fil de discussion, beaucoup me disent bonsoir. Ben, écoutez, merci, c'est sympa de m'adresser cette bonne soirée. On va essayer de bien travailler ensemble. Je vois qu'il y a des gens que je connais, Michel, Céline, Hélène, Jonathan, et puis beaucoup d'autres. Évidemment, j'aurais pas dû commencer la longue liste des personnes qui veulent m'interroger. Quelques questions. Je vous propose de commencer par tout ce qui tourne autour des écoles et de la jeunesse. Il y a des questions, et en particulier une question de France. Oui, c'est bien d'ailleurs France. La question, c'est pourquoi y a-t-il des cartes jeunes qui permettent d'accéder à différentes activités culturelles sur l'ensemble de la métropole? Pourquoi la métropole a-t-elle créé cette carte jeune et pourquoi pas Mérignac? C'est vrai qu'il y a là un paradoxe assez redoutable, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord parce que quand la carte jeune a été créée par la métropole, moi j'ai considéré qu'ici à Mérignac, elle n'offrait pas suffisamment de services. Voilà. Et que finalement, pour le coup, on pouvait nous créer notre propre carte jeune. Alors aujourd'hui que je suis président de la métropole, évidemment, on va essayer de faire évoluer tout ça, mais il y aura une carte jeune qui bénéficiera évidemment à nos habitants de Mérignac et aux habitants les plus jeunes de Mérignac, dont c'est en cours. Vanessa, elle me pose une question sur le sport et sur les courts de tennis du complexe Daniel Colombier. Est-ce qu'ils sont ouverts? Oui, pas Vanessa, Valentin. Oui, Valentin, les courts sont en accès libre depuis samedi pour une pratique qui est individuelle. Et ça rejoint une question plus large. Qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est fermé en matière d'équipement sportif? Bon, la réponse, elle n'est pas simple. Bon. Si vous lisez le décret qui est sorti dernièrement, vous allez dire que seules sont autorisées aujourd'hui les activités sportives individuelles. Individuelles. Donc ça, vous pouvez jouer au tennis, vous pouvez courir. Et donc là, aujourd'hui, c'est tout à fait autorisé.
Qu'est-ce qu'il en est des activités collectives? Donc, par exemple, le football, le rugby ou d'autres sports collectifs. Là, c'est un imbroglio. Le décret les interdit, mais il y a des accords entre le ministère des Sports et des fédérations, notamment entre la fédération de football et la fédération de rugby. Et donc, au terme de ces accords, ces activités-là sont autorisées et on le voit dans un certain nombre de communes où effectivement ces activités ont recommencé aujourd'hui. Juste avant là, je viens de téléphoner de nouveau au secrétariat général de la préfecture pour avoir des éclaircissements. Aujourd'hui, tout ça est remonté à Paris pour qu'il y ait un arbitrage du Premier ministre. Est-ce que oui ou non, les activités collectives sont autorisées ou pas? Aujourd'hui, la réponse est non, même si je sais que dans la pratique, c'est autorisé dans pas mal de communes. Moi, j'espère qu'on aura enfin une harmonisation et qu'après tout, les protocoles qui ont été conclus par les fédérations sportives puissent être applicables. Donc, j'espère pouvoir vous donner une bonne nouvelle, peut-être pas ce soir, parce que là, ça m'étonnerait qu'on me rappelle en plein Facebook Live, mais en tout cas, demain, j'espère avoir une bonne nouvelle et qu'on pourra vous la relayer. On me pose la question, c'est Delphine. Est-ce que les cours de natation pour enfants reprennent? Delphine, cours de natation scolaires sont autorisés aujourd'hui pour les enfants. Et donc l'accès pour en fait tous les enfants est possible ou sera possible exactement dans quelques jours, le 15 décembre. Donc le 15 décembre, oui, tous les enfants pourront reprendre une activité de natation si évidemment la situation sanitaire n'est pas mauvaise d'ici là. On espère tous que non, et a priori les chiffres nous laissent quand même un peu d'espoir sur ce sujet, ou même pas mal d'espoir. Estelle m'a posé la question sur les activités en plein air, mais Estelle, j'espère que je viens de répondre d'une façon suffisamment précise à l'instant. Dans le fil de discussion, qu'est-ce que je vois comme question? Le gaspillage alimentaire dans les écoles. Bon, ça, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. C'est Mika qui me pose ça. Il y a trop de nourriture jetée dans la poubelle. Mika, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je suis ulcéré de voir qu'il puisse y avoir du gaspillage alimentaire, à la fois parce que c'est un coût pour la collectivité, à la fois c'est un coût pour la planète, et en même temps, c'est un manque pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Là, il y a quelque chose que je trouve tout à fait révoltant. Et donc, j'ai donné à plusieurs reprises des instructions à notre administration qui essaye de les appliquer pour qu'effectivement on arrive à calculer la part exacte nécessaire dans les écoles. C'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple? Parce qu'il y a des parents, des familles qui disent bah, finalement je vais mettre mes enfants à l'école, ils vont avoir un repas, donc on prépare les repas, on les commande, on les paye, puis à la fin, bah, les enfants ne viennent pas, et donc évidemment là il y a des repas qui sont gaspillés. On essaye de faire en sorte, mais il y a des règles sanitaires qui sont très précises, que ces repas soient recyclés, qu'ils puissent bénéficier au moins à ceux qui en ont besoin. Il faut qu'on arrive à avoir les conditionnements nécessaires, les règles sanitaires nécessaires pour pouvoir le faire. Et c'est, croyez-moi, nous sommes dans un pays, bon, c'est une petite nuance que je fais là, mais qui est quand même un peu trop administratif sur tous ces sujets-là, même si la sécurité, évidemment, est une priorité majeure. Dominique me pose une question de nouveau sur le sport et pourquoi les terrains de foot et de tennis n'ont pas la gratuité. Bon. Alors, d'abord, Dominique, votre question est plus ou moins exacte. La portée de votre question est plus ou moins exacte. Nous avons des terrains qui sont tout à fait en libre accès. Évidemment, on a tous les city stades, mais vous ne pensez pas à ça, mais les terrains de tennis, par exemple, de Colombier, le terrain du Burc, qui est en cours de livraison, sera également ouvert. Après, pourquoi on ne le fait pas gratuitement? Parce que, voilà, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que pour faire un terrain de tennis, bah, il faut dépenser de l'argent. Pour aménager un terrain de sport, là aussi, il faut des investissements. Tout ça, donc, coûte de l'argent. Et donc, la question, c'est de savoir si c'est le contribuable qui paye ou c'est celui de l'usager. Et vous savez, les prix pratiqués ici à Mérignac sont parmi les plus bas de la métropole. Donc l'usager paye peu et donc le contribuable paye. Voilà, hein, c'est pas gratuit. Bon, et donc il faut que quelqu'un évidemment assume cela. Mais en tout cas, il y a déjà des espaces sportifs qui sont en libre accès. Charlie sur Instagram
m'interroge sur est-ce que Mérignac est une ville olympique ou sera une ville olympique en 2024. Alors, au sens strict, Charlie, on n'est pas une ville olympique, on n'a pas le label pour ça. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas, en 2024, accueillir des compétitions olympiques ou paralympiques. Mais pour autant, on a obtenu une autre qualification, un autre label, qui est le label de Terre des Jeux, qui va nous permettre d'accueillir des équipes dans leur préparation. Voilà. Donc, il y a des équipes qui vont venir à Mérignac, en natation, à la fois libre ou artistique, en water polo, en gymnastique artistique ou en hockey sur gazon. Donc là, on pourra accueillir des équipes qui viendront s'entraîner. Donc on aura le plaisir de les voir. Vous pourrez les voir également vous entraîner. On organisera certainement quelques événements autour de tout ça, mais on n'aura pas les manifestations officielles des Jeux Olympiques. Sur les loisirs, toujours puisque j'y suis. Il y a beaucoup de questions sur les animations de Noël. Et c'est bien, voilà. Moi, je suis pour les animations de Noël, pour les fêtes, pour les animations tout court. Je crois que c'est un moment important dans notre vie citoyenne, mais également dans notre vie familiale. Il suffit de regarder les yeux illuminés des enfants pour voir qu'évidemment, tout ça est une nécessité dans l'imaginaire d'un enfant et peut-être d'ailleurs dans notre propre imaginaire. Mélanie me pose une question sur l'année dernière, il y avait un manège, et cette année, est-ce qu'un manège sera maintenu? Alors, Mélanie, il n'y aura pas de manège cette année, pour 36 raisons, notamment liées aussi à des problèmes toujours de contamination, mais on va avoir une petite nouveauté là. Je voudrais remercier évidemment les services de la ville qui s'en sont occupés. Cette petite nouveauté, c'est une luge, mais une luge synthétique, c'est-à-dire qu'on veille toujours à avoir notre politique environnementale qui soit très forte. Donc on a une luge synthétique, les enfants pourront venir faire de la luge, qui sera autonome en énergie, et donc qui sera en plein centre-ville. Donc vos enfants pourront venir, et je pense que ça va beaucoup leur plaire. Beaucoup leur plaire, vous verrez, c'est sans doute même plus distrayant que le manège. On aura une activité de plein air pour un peu tout le monde, là, la luge sera donc ouverte jusqu'à 16 ans. Et puis puisque je crois que c'est Elodie qui me pose une autre question sur le mapping. Oui, Elodie, il y aura un mapping, et non seulement sur l'église comme nous faisons depuis quelques années maintenant, mais également sur la médiathèque. Donc ça, c'est nouveau. On aura un mapping qui sera élargi, et donc ça, c'est une bonne innovation de cette année. Je voudrais ajouter aussi qu'on aura un marché de Noël puisqu'on me pose la question. Qui va être ouvert du 20 au 23 décembre, donc dans quelques jours. On vient d'avoir à l'instant même l'accord de la préfecture, c'était soumis à l'accord de la préfecture, mais on vient de le recevoir. Donc il y aura bien un marché de Noël. Et puis également, je vous rappelle que d'ores et déjà, on fait une extension du marché les mercredis, jeudi et vendredi, dans l'après-midi, et ça jusqu'au 18 décembre. Vous pouvez venir sur le marché, venez sur le marché pour des commerces non alimentaires. Il y a aussi quelques confiseries ou autres. Mais voilà, vous pouvez acheter des cadeaux de Noël, par exemple, à l'après-midi, mercredi, jeudi, vendredi. Évidemment, tout ça fera beaucoup de bien à nos commerçants non alimentaires qui ont souffert pendant toute cette période. Et ça fera du bien aussi dans vos familles. Et donc, à tout le monde sera gagnant-gagnant. Venez, vraiment, on vous attend mercredi, jeudi, vendredi. On espère qu'elle, la pluie, restera chez elle, c'est-à-dire dans le ciel, mais qu'on pourra évidemment faire nos achats de Noël. Alors, d'autres questions? Là, on propose des mesures incitatives pour consommer. Donc, il y a David qui me demande, est-ce que vous prenez des mesures incitatives pour consommer local à Mérignac? Oui, bien sûr. Donc, on a ce marché non alimentaire dont je vous parlais. On a un fort marché alimentaire, j'y étais encore samedi dernier. J'étais sur le marché non alimentaire mardi, je crois, mercredi. Et je peux vous assurer que tous les. Je dis ça parce que, en fait, c'est toujours un feedback qui est intéressant, un retour qui est intéressant. Tous les marchands, tous les commerçants, qu'ils soient sédentaires ou non sédentaires, sur le marché ou non sur le marché, ils remercient la ville. Voilà. Ils remercient la ville en disant, vous êtes exemplaire, et d'autres villes n'ont pas les moyens de le faire. Donc, vraiment, nous le faisons. Et vous savez qu'au niveau de la métropole, on va avoir également une grande campagne de consommer local, acheter local, et notamment une campagne qui va être aussi avec des annonces sur le tramway. Vous allez avoir de grandes affiches sur les tramways consommer local.
Et puis, il y aura d'autres supports de la métropole pour dire, et on a besoin de nos commerçants, ils ont besoin de nous, il faut aussi qu'on soit solidaire avec eux. Donc, c'est vraiment tout à fait un axe de la ville et de la métropole. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question sur Johan qui me pose une question, pensez-vous créer une police municipale de nuit? La réponse est positive, Johan. C'est compliqué. Bon, parce que pour avoir une police municipale de nuit, il faut avoir davantage de policiers. Voilà, puisque vous n'allez pas les faire travailler jour et nuit. Donc il faut davantage de policiers. Donc aujourd'hui, on a effectué les recrutements qui sont nécessaires. Et en 2021, c'est-à-dire dans quelques semaines, on aura une police municipale qui circulera la nuit et qui sera donc complémentaire de la police nationale. Je souhaite que les effectifs de la police nationale soient plus importants. On a besoin de la police nationale. Notre police municipale ne peut pas tout faire. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions sur le commerce, et notamment Collo, qui me demande pourquoi le loisir indoor qui est fermé. Ah oui, question redoutable, Collo. Donc, les activités sont fermées, donc les activités indoor. Il me dit tout simplement, ça peut paraître frappé du bon sens, pourquoi vous ne jouez pas sur un impôt, et cet impôt c'est la contribution foncière des entreprises, la CFE. Il me dit, mais pourquoi vous ne faites pas de dégrèvement de la CFE? Bon. Je ne sais pas si je vais être convaincant, mais je vais essayer de l'être. La difficulté de la CFE, c'est que si on fait un dégrèvement, il bénéficie à tout le monde. On ne peut pas dire, on fait un dégrèvement uniquement pour certains et pas pour d'autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les principaux bénéficiaires de la CFE vont être les grandes boîtes, bon, et qui n'ont pas forcément besoin. Et donc, si on dégrève la CFE sur les grandes boîtes, et c'est là où on a le maximum de recettes, c'est des recettes qui seront moins importantes pour la ville. Et si on a moins de recettes pour la ville, on pourra moins vous aider. C'est un peu le paradoxe, mais voilà. Donc, je ne crois pas que que diminuer des impôts aujourd'hui soit la meilleure solution. Il ne faut pas les augmenter, ça c'est certain. Mais diminuer aujourd'hui, là, il y a la CFE, il y a aussi toutes les taxes sur les enseignes, c'est toujours la même discussion également. Pourquoi vous ne supprimez pas les taxes sur les enseignes? Ben, pour la même raison. Et si on supprime la taxe sur les enseignes, les grandes surfaces commerciales vont en bénéficier, et donc c'est donc un dégrèvement très important, et la petite aussi. Et on ne peut pas simplement dégrèver pour une petite entreprise, on est obligé d'avoir une mesure générale. Voilà, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais. Le but, c'est de vous soutenir par tous les moyens, on essaye de le faire également. Et là, comment on essaye de le faire pour répondre complètement à la question? D'abord, il y a quand même un dispositif qui est assez complet aujourd'hui. Hein. L'État fait beaucoup. L'État fait beaucoup, et notamment, évidemment, avec un fonds d'urgence, vous le savez, qui est de 100 000 euros, qui peut aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Et avec un plafond qui est passé de 100 000 à 200 000, ça commence à 10 000 euros exactement, 20% du chiffre d'affaires, avec un plafond qui était avant la semaine dernière de 100 000 euros et qui maintenant est passé à 200 000 euros. Donc on peut vraiment, avec l'État, obtenir jusqu'à 200 000 euros. La métropole elle-même a un dispositif qui est complémentaire, qui est avec des montants moins, mais c'est comparable au but, il faut comparer les différents budgets. Donc la métropole également aide ses entreprises. Et puis, la question des loyers, qui est une question très lourde. Au fond, vous savez, une entreprise, un commerce, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de recettes et non de clients. Et là, on essaie de les aider pour ça, en mettant en place, par exemple, une plateforme numérique. Et puis également, il y a des charges, il faut diminuer les charges. Et parmi les charges, il y a souvent la question des loyers, de ce que vous payez à votre propriétaire. Et donc, la métropole, l'État, a un système qui est un système de ristourne fiscale, c'est-à-dire si. Le bailleur fait un geste en faveur du locataire, alors il peut obtenir 50% de réduction sur les sommes ainsi dispensées par le bailleur. Bon. Nous, on pense qu'on fait un autre système. Parce qu'en fait, les bailleurs, des fois, ils ne veulent pas faire une baisse, évidemment, de leur loyer. Et certains bailleurs vivent de ça. Bon, donc, il faut aussi le voir cet aspect-là. Donc, nous, on fait carrément un abattement des loyers. Vous téléphonez à la Chambre de commerce et d'industrie, pour tout ce que je vous dis, il faut téléphoner à la Chambre de commerce et d'industrie, il y a un numéro qui va être largement diffusé,
Et là, vous pouvez avoir une prise en charge d'une partie de vos loyers de novembre et décembre. Donc ça, c'est quand même tout à fait significatif. Mais plus globalement sur ce système-là, que je ne peux pas développer aujourd'hui, regardez sur le site de la mairie, regardez sur le site de la métropole. Franchement, vous savez, on fait un effort de 80 millions d'euros. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie disait avant-hier qu'il n'y a aucune métropole qui met sur la table 80 millions d'euros pour aider ces entreprises aujourd'hui et pour les aider demain. Voilà. Parce qu'on pense aussi que la crise sera encore plus forte pour certaines entreprises, en tout cas, au cours du second semestre 2021 et dans l'année 2022. Donc il faut aussi qu'on aide à ce moment-là à la reprise de l'activité économique. Sur une autre question, qui est une question de Céline. Ah oui, bonsoir, monsieur le maire. On entend régulièrement des bruits type feu d'artifice la nuit. Ça me revient souvent, Céline, cette question, hein, qu'il y a des feux d'artifice. Alors, on ne sait pas si c'est des feux d'artifice ou si c'est des pétards. Il y a une sorte de mode du pétard aujourd'hui dans toute la France. Et donc, tout ça est inacceptable. On a missionné la police nationale, la police municipale pour faire des rondes, mais quand on aura davantage de policiers, on pourra faire des rondes aussi la nuit. En général, évidemment, ça se passe la nuit, y compris pour les pétards. Et puis, on a alerté la police nationale pour qu'elle intervienne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte de mauvais comportement là, d'un certain nombre de personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles nuisent au plus grand nombre sur Mérignac et dans toutes les villes de France. Cassis. Faites quelque chose pour les grèves chaque jeudi, on est impacté. Voilà, si vous voyez bien la difficulté, le droit de grève est un droit constitutionnel. Donc un maire ne peut pas interdire des grèves, et c'est une bonne chose, ça fait partie des valeurs de la République, le droit de grève, comme le droit de circuler, la libre opinion. Voilà. C'est dans notre ADN républicain. Bon. Mais en même temps, moi je constate qu'effectivement, c'est des ennuis considérables pour nos usagers, pour nos habitants. C'est des complexités qu'ils n'ont pas besoin de ça aujourd'hui, d'ailleurs, à n'importe quel moment. Moi j'essaye d'expliquer d'abord aux organisations syndicales qui usent de ce droit de grève, en fait c'est assez ciblé quand même, qu'elles doivent penser aussi au service. Nous avons un service public, nous sommes là pour servir le public. Voilà. Il faudrait que chacun le comprenne, qu'il puisse y avoir des revendications sur ceci ou sur cela. La plupart des revendications sont nationales, par exemple. Hein. Elles demandent à ce qu'on supprime la carence, c'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, si vous faites grève pendant la première journée, vous continuez, vous avez pu être payé parce qu'il y a une carence. Bon. Et donc évidemment, ça c'est en fait c'est une disposition nationale. Un maire n'a pas de pouvoir sur la question. Donc là, demander à un maire de prendre des mesures qui relèvent du gouvernement, évidemment, le maire ne peut pas le faire. Donc par la persuasion, j'aimerais quand même que chacun ait le sens de l'intérêt général, mais ça, c'est la culture la plus difficile à partager. Sur d'autres points, avez-vous quelques informations sur la réouverture du Pain Galant, demande Gilles. Gilles, oui, ce que l'on a dit, on va le faire. Le Père Galland a pris l'engagement qu'à partir du mois de janvier, il allait réouvrir. Donc les spectacles allaient recommencer en fait, à partir du 12 janvier. Il y aura de nouveau des spectacles au Père Galland. Là aussi, moi je suis honnête avec vous, hein, les spectacles très chers, on ne peut pas les accueillir aujourd'hui. À cause de la jauge, on ne sait pas. On ne sait pas si on pourra remplir toutes les places. Ou si on peut remplir que la moitié. Et si on remplit la moitié, le spectacle est déficitaire. Voilà. Et donc de nouveau, c'est le contribuable qui va payer, parce qu'il y a des relations contractuelles entre le Pain Galant et la ville. Et quand le Pain Galant est déficitaire dans un certain nombre de conditions, notamment si on leur impose des sujétions, des contraintes, eh bien évidemment, c'est la ville qui doit ensuite après renflouer le Pain Galant. Donc on aura des spectacles, mais on ne pourra pas accueillir, par exemple, des opérettes, des opéras, parce que le coût serait trop important par rapport à la jauge, et donc en tout cas, on fera des spectacles. J'y tiens beaucoup, je l'ai dit beaucoup au responsable qui est un grand professionnel du Pain Galant. Je tiens beaucoup à ce que les spectacles reprennent très vite au Pain Galant. Sur d'autres points, la fermeture temporaire du bureau de poste d'Arlac me pose la question, Frédéric me pose la question,
Bon, Frédéric, je suis comme vous, moi aussi, hein. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Que le bureau de poste d'Arlac est fermé, là, avec un petit mot presque, je sais pas comment dire, presque injurieux, sinon pas injurieux. Enfin, en tout cas, un petit mot qui n'a pas, montre pas un grand sens des responsabilités, je trouve ça inadmissible, hein, inadmissible. Alors, la poste aurait mieux fait de communiquer, clairement. Pourquoi la poste aujourd'hui d'Arlac est fermée? Ben, il y a une raison très simple, mais pourquoi ils ne le disent pas? C'est simplement parce qu'ils ont été frappés par le Covid. Et que le Covid a décimé les agents de la poste d'Arlac, et donc ils n'ont plus aujourd'hui le personnel pour assurer ce service, et qu'ils n'ont pas d'autres personnels non plus à prendre dans les autres postes pour les conduire ici. Donc voilà, c'est simple, il suffit de le dire. Là, on a écrit à la poste, on a vu d'ailleurs aussi les responsables de la poste. Lundi prochain, la poste d'Arlac va réouvrir, mais ne souriez pas trop vite. Elle va ouvrir dans des conditions qui ne sont pas optimales, puisque notamment tout ce qui est colis ne pourra pas être rétabli. Il faudra continuer à aller chercher ses colis du côté de Montdésir. Et donc le service de la poste d'Arlac ne sera pas complet à partir de lundi, même s'il va réouvrir en partie. Ensuite, après, Sophie me pose une question. Pourriez-vous répondre concernant la situation catastrophique du quartier de Beaudésert? Bon, Sophie, ce n'est pas la question la plus facile que vous me posiez. Moi, j'aime beaucoup le quartier de Beaudésert. C'est un quartier que je trouve très attachant, avec ses jardins familiaux qui fonctionnent plutôt bien, même s'il y a aussi y a quelques tensions. On a construit une nouvelle maison des habitants quand même a de la place et qui offre des services intéressants. On a d'autres équipements. On a une des plus belles écoles de la ville de Blagnac, c'est quand même l'école de Beaudésert. Donc vraiment, on a des équipements. La ville investit sur Beaudésert. Et puis, il y a quelques voyous, voilà, pour employer le terme, voilà, qui gâchent tout ça et qui se manifestent, des voyous, parce qu'ils sont liés à des trafics de stupéfiants. Voilà. Pourquoi pas dire la vérité? Voilà. Beaudésert est en partie gangréné par des trafics de stupéfiants. Et on a eu quelques incidents à l'école l'année dernière. La directrice de l'école, qui était une excellente professionnelle, a préféré partir. Bon, tout ça n'est pas acceptable. La police est très, très, très branchée sur Beaudésert. Elle fait un gros travail. Je voudrais le saluer, la police nationale, donc il faut le saluer. Mais la police a sa méthode. C'est-à-dire, la méthode de la police, c'est d'observer, d'accumuler les preuves, d'accumuler les éléments. Et une fois que la police a ses preuves et ses éléments, d'intervenir. Il y a quelques jours, peut-être 15 jours, il y a une opération de police qui a été effectuée à Beaudésert. Peut-être que vous ne l'avez pas pu la voir, mais il y a eu un bon coup de filet qui a été réalisé pour arrêter les dealers et les gens qui ne se comportent pas bien à Beaudésert. Mais parfois, ces arrestations n'ont pas une grande durée, une grande pérennité, et on retrouve ces jeunes voyous, on les retrouve ensuite après sur le terrain. Il faut qu'à Beaudésert, et on a des élus, j'ai souhaité sur ma liste hein, qu'on ait des élus de Beaudésert, et on en a, et puis il y a d'autres personnes qui sont des bénévoles également, qui prennent les choses en main, et vraiment je les remercie parce que c'est pas facile, pour qu'on offre des alternatives aussi à cette délinquance, et qu'on leur propose des activités, mais moi je suis également pour la sanction. Quand on dépasse la borne, il faut sanctionner. D'autres questions? Est-ce qu'il y aura une poste sur chemin long vu le nombre d'habitants en construction? Alors, c'est Louisette qui me pose cette question. Vous connaissez le long feuilleton de la poste du côté de chemin long. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que donc il y a un point relais qui a été créé chez un commerçant. Et moi, j'ai des réactions contraires. J'ai un certain nombre de gens qui me disent, mais c'est bien parce que finalement les horaires sont assez larges et on peut y aller beaucoup plus facilement qu'avant avec la poste. J'ai d'autres personnes qui disent oui, mais d'accord, mais d'abord on fait la queue parfois, mais bon, ça, la queue, aujourd'hui on fait souvent la queue. Et puis de toute façon, toutes les opérations d'une poste ne sont pas possibles dans un point. Donc c'est un grand combat national. Voilà. Nationalement, il y a un grand combat. La poste considère, c'est pas totalement faux non plus, hein,
qu'il y a une chute importante du courrier, il y a moins de courrier. Qui envoie des lettres? Est-ce que la plupart d'entre nous, on envoie des lettres? Ben non, on envoie des mails. Bon. Donc si on envoie des mails, on ne passe pas par, évidemment, par la poste. Et ça, c'est nos propres comportements. On envoie, il y a beaucoup moins de courrier, ça s'est effondré. Et si le courrier s'est effondré, ben évidemment, il y a une partie de l'activité de la poste qui, aujourd'hui, qui change de nature. Et donc ça, il faut quand même qu'on ait l'honnêteté que de dire ça. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui, notamment, font des retraits d'espèces à la poste, qui ne peuvent pas aujourd'hui. On essaie de travailler avec la poste, mais la poste, il y a des directives nationales. Et on est à Mérignac, une des villes les moins impactées par les fermetures de postes. Si vous allez voir dans d'autres villes, à Bordeaux ou ailleurs, vous verrez que, il n'y a plus beaucoup de bureaux de poste en activité. Luz, va-t-on avoir des installations supplémentaires de potagers composteurs collectifs, voire des propositions de jardins familiaux? Luz, oui, mais on est déjà plutôt pionnier en la matière. Hein. On veille à la sécurité alimentaire, on a déjà des jardins familiaux un peu partout qui marchent très bien d'ailleurs. Je suis toujours surpris de voir la sérénité. Vous savez, par exemple, moi je craignais quand même qu'il y ait des vols dans les jardins familiaux. Et ben non, il n'y a pas de vol. Chacun respecte le travail de l'autre. Donc ça me paraît tout à fait intéressant. Donc on le développe, on va le développer encore davantage. On a un projet de jardin, d'immense parc avec une ferme qui permet d'alimenter les écoles, les crèches en premier, les écoles ensuite. Donc oui, on a ce projet-là. Il faut du temps, il faut faire un ensemble d'analyses pour s'assurer que tout ça est fait dans les conditions de sécurité alimentaire totale. En tout cas, évidemment, c'est dans les engagements que nous avons pris lors des dernières élections municipales. Éric Gaffard, que je connais bien, Éric me pose la question de la police municipale à Montesquieu, au Jard et à Bourgonville. Éric, moi, je vous donne raison, mais je vais de temps en temps à Montesquieu ou à Bourgonville. Bah oui, c'est vrai, mais regardez le travail qu'on a fait l'année dernière. Moi, j'étais les voir en plus, hein, ces jeunes qui étaient là. La conversation est toujours très difficile, mais je voulais entamer un dialogue avec eux. Le dialogue, il n'y en a pas eu. Voilà, parce qu'en fait, ils sont aussi dans un état physique de délabrement, je vais vous le dire, qui ne facilite pas le dialogue. Donc c'est très difficile. Bon. Mais on avait évidemment branché, pour reprendre l'expression d'Éric Gaffard, branché la police là-dessus. La police a mené son enquête, elle a mis des observateurs, elle a pris des photos et des films, et puis le jour J, la police est intervenue, et il y a eu pas mal d'arrestations, et il y a eu pas mal de condamnations. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que la condamnation a été exécutée, c'était des peines qui n'étaient pas très longues, et bien ils sont revenus. Voilà. Et donc, les difficultés qu'on a eues avant ce coup de fouet de la police et ces condamnations, voilà. On retrouve la même situation. Il faut recommencer toujours de nouveau. Et j'insiste d'ailleurs pour dire que ce n'est pas des jeunes uniquement de Mérignac, hein, c'est des jeunes aussi, là, on est à la frontière avec Bordeaux. Il y a également des jeunes de Bordeaux, mais mon attitude est très très nette là-dessus. On a besoin d'une police municipale, on a besoin d'une police sévère, on a besoin d'une police qui a les moyens, on a besoin d'une police nationale. Il faut y avoir aucun passe-droit, aucune faiblesse sur ces questions-là. Il faut être tout à fait d'une très grande fermeté. Mais on manque souvent de moyens et de moyens nationaux sur cette question. Pouvez-vous nous dire la date à laquelle vous commencerez les travaux d'aménagement du quartier de la Glacière, la Crèche? Caniel me pose ça. Donc Caniel, les travaux vont avoir lieu. Donc, à la Glacière, il y a deux types d'équipements. Il y a d'un côté une maison des habitants, c'est-à-dire qu'en fait, un nouveau centre social, pour être simple, plus une crèche. Hein. Une crèche, déjà une crèche à la Glacière, mais là, une crèche qui aura plus de berceaux. Les travaux vont commencer en 2021. On a choisi le projet, tout est en cours aujourd'hui. Donc, voilà. Évidemment, avec le Covid, il y a du retard. De toute façon, il y a toujours du retard. C'est quelque chose d'agaçant, mais que l'on connaît bien, mais l'instant qu'on fait de l'action publique, on sait qu'il y a du retard. Dans le monde entier, là, je peux vous rassurer, quand on fait un pont, il y a toujours 1, 2, 3 ans de retard. Donc, en tout cas, les travaux vont commencer en 2021.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'en vois un. Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions sur la sécurité, l'insécurité. Mais je vais vous parler aussi directement. C'est facile de parler de la sécurité. C'est difficile, évidemment, d'assurer la sécurité. Voilà. S'il y avait une baguette magique dans le monde, bah, je me serais précipité pour aller la chercher. Mais si je vais à Bordeaux, je trouve les mêmes problèmes. Si je vais à Pessac, je trouve les mêmes problèmes. Si je vais à Lyon, je trouve les mêmes problèmes. Si je vais à Marseille, non, c'est pire. Si je vais à Lille, voilà. Dans toutes les villes de France. Et si je vais un peu ailleurs, si je vais aux États-Unis, n'en parlons pas. Si je vais en Allemagne, c'est pareil. Donc celui qui a une baguette magique pour la question, je suis preneur. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une, comment dire, c'est une affaire de société. Moi, je pense qu'on a raté un certain nombre de choses. On a raté l'intégration, par exemple, d'un certain nombre de populations. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des ghettos avec des populations qui sont en grande difficulté, avec des familles qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants et où l'enfant qui fait du trafic de stupéfiants subvient aux besoins de la famille. Bon. Vous imaginez l'autorité du père et de la mère quand vous êtes dans cette situation-là. On a raté un certain nombre de choses dans ce pays comme dans les autres, avec tous les gouvernements. Ce n'est pas la faute d'un gouvernement, ce serait trop facile là aussi. Et donc voilà, il faut reprendre tout, mais ce qu'il faut reprendre sans doute, c'est reconcevoir la ville autrement. Construire une ville sans ghetto, une ville où chacun ait le sentiment qu'il a une chance, voilà, qu'on ne dise pas que finalement la seule espérance d'un enfant, bah, c'est finalement de faire du trafic de drogue pour avoir de l'argent et s'acheter de belles voitures et acheter de beaux vêtements à ses frères et sœurs. Bon, ça, tant que les gens auront uniquement cette espérance-là, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait par exemple du quartier de Beaudesert. Maintenant, le quartier de Beaudesert, on a quelques beaux cas de personnes qui, justement, ont pu faire des études dans des familles qui étaient en situation difficile, qui ont fait des études, qui ont réussi, qui aujourd'hui se retrouvent avec les diplômes et avec du travail et du travail valorisant. C'est ça la vraie solution. Ben, voilà, cette solution, il faut des années pour y parvenir. Ce qui s'est détérioré pendant des dizaines d'années, on ne va pas le rétablir en quelques mois, même si on le dit, etc. Non, il n'y a pas de secret là, sur la sécurité et l'insécurité, malheureusement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser aller. Il faut au contraire, évidemment, être ferme. Ça fait la troisième fois que je le répète. Denis, qu'y a-t-il de la reconstruction du gymnase qui a brûlé il y a déjà 2 ans? Voilà bien, Denis, aussi la difficulté de tous ceux qui gèrent des responsabilités. Il y a 2 ans, personne ne le prévoyait. D'un coup, une nuit, un petit voyou qui a mis le feu au gymnase de Aubert-la-Grange, et ça a été un grand drame pour notre ville parce que tout le monde avait des souvenirs du COSEC de Aubert-la-Grange. Bon. Cette personne-là a été arrêtée, elle a été condamnée, je pense qu'elle est toujours en prison d'ailleurs, parce qu'en réalité c'était une habitude d'aller incendier des équipements, et pas uniquement à Mérignac, mais dans d'autres endroits. Donc il a fallu d'abord faire l'état et faire l'enquête. Une enquête qui a été diligentée à la fois par la compagnie d'assurance, puisque nous étions, et heureusement pour nous, assurés, l'enquête qui était l'enquête judiciaire, donc tout ça a mis 6 mois ou 1 an. Et puis ensuite, après, bah maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, c'était aussi des structures avec beaucoup d'amiante, donc il faut désamianter. Bon, ah. Donc ça demande beaucoup de temps, puisque ça demande beaucoup de précautions, donc on désamiante. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va faire 2 choses en même temps. D'abord, on lance un programme pour voir ce qu'on va faire à cet endroit-là. Ce qu'on va refaire, c'est un autre gymnase. Mais comment on le conçoit? On le fera aussi en cofinancement avec la région, puisque la région est intéressée avec la proximité du lycée. Donc, on aura un gymnase qui accueillera les lycéens, mais qui accueillera évidemment toute notre population. Et on le cofinancera. C'est plutôt une bonne chose. Puis, je veux qu'on règle aussi la question du stationnement. Parce qu'avant, avec Léo Lagrange, quand même, il faut bien dire que si vous habitez en face, dans les résidences en face, vous n'étiez pas tout à fait content quand il y avait des grands événements sportifs et que les gens venaient s'installer à votre place de stationnement. Donc on va régler ça. Bon. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Mais là, on va lancer ça. Et on l'avait dit, hein, dès le départ, on avait dit que pour refaire un gymnase, il nous faudrait 3, 4 ou 5 années. Donc ce n'est pas à propos d'aujourd'hui, c'est à propos du jour même
Le lendemain de l'incendie, on connaît les délais, on les connaît malheureusement. Mais justement, pendant toutes ces périodes-là, qui sont toujours très longues, de conception, de réalisation, on va essayer d'utiliser, pas on va essayer, on va le faire. On va faire un grand plateau sportif qui permettra d'accueillir un certain nombre d'activités temporaires. Voilà. Et donc, on va là lancer tout de suite ce plateau sportif pour que on occupe cet espace. Et pour que aussi les activités sportives puissent se continuer, là, je crois que tout le monde sera satisfait qu'on fera ça. Et c'est pas du gaspillage d'argent. Moi, j'ai toujours le souci de ne pas gaspiller l'argent public, parce qu'ensuite, après ce plateau sportif, on le récupérera pour le mettre dans une école qui n'en a pas aujourd'hui. Donc, elle aura un usage après que le gymnase définitif sera aménagé. Une autre question de Jean-Luc. Quand commencent ces travaux du futur stade nautique métropolitain? Ben Jean-Luc, ça commence en 2021. Si vous passez, certainement vous y passez de temps en temps sur le site, vous avez vu que déjà on a mis des palissades. Donc déjà il y a un travail de mesure, un travail d'identification, un travail de cartographie qui est effectué aujourd'hui pour ensuite après lancer les travaux du stade nautique. Donc 2021, voilà. Je pense là aussi hein, qu'il y aura quand même quelques retards. L'idée était d'ouvrir le stade nautique en 2022, mais on voit bien qu'on n'y arrivera pas. Donc sera en 2023 qu'on aura ce magnifique stade nautique d'intérêt métropolitain. Ça va nous changer la vie, hein, je peux vous assurer. J'ai vu le projet, bien entendu. C'est un très beau projet. Vous verrez, par rapport à notre stade nautique d'aujourd'hui, ça n'a évidemment rien à voir. Et notre ville méritait ça, et notre métropole méritait ce bon considérable en termes de qualité. Hein. Pour un prix, hein, je le répète, parce que là, il y a toujours des polémiques incessantes là-dessus, qui ne sera pas supérieur à ce que nous dépensons aujourd'hui pour le stade, pour la piscine d'aujourd'hui. Elle sera prise chaque année, ne nous coûtera pas plus cher que le stade de la piscine actuelle, pour 36 raisons, mais notamment pour des raisons que on sait mieux gérer aujourd'hui, notamment les dépenses énergétiques qui sont l'essentiel du coût de ce genre d'équipement. Jonathan, pouvez-vous me faire un point sur les instances participatives, conseil de développement, conseil du quartier, conseil municipal des enfants? Jonathan, oui, tout est suspendu à la possibilité de se retrouver. Comment lancer ces instances participatives auxquelles je tiens tant? Comment faire un conseil de quartier? Là, on avait imaginé hein, faire un conseil de quartier en décembre en centre-ville pour présenter le nouveau centre-ville avec, vous avez vu, l'ouverture des magasins. D'autres vont évidemment aussi être accessibles au public à partir du mois de janvier. La réfection de la place Charles de Gaulle, la nouvelle rue Beaumarchais qui n'a rien à voir avec ce que nous avons avant. Comment on pourrait évidemment regretter, vous vous rappelez de la rue Beaumarchais auparavant, la rue de la Vieille Église auparavant, vous rappelez ce qu'elle était, regardez ce qu'elle est devenue aujourd'hui, elle n'est pas terminée. Donc vraiment, une transformation tout à fait importante. Donc j'aurais voulu présenter tout ça évidemment dans un conseil de quartier, ce n'est pas possible. Donc dès que les réflexions sont levées, on le fera. Je réfléchis à d'autres moyens. Le Facebook Live en fait partie hein, d'une certaine façon, mais il y a peut-être d'autres moyens qu'on peut faire tout en gardant les mesures sanitaires. Et puis d'autre part, on avait mis en place dans le dernier mandat ce qu'on appelait un budget participatif. Vous savez, c'est un budget où vous pouvez vous-même présenter des projets. Et puis ensuite, après, il y a un vote. Le projet qui a obtenu le plus de votes, la ville s'engage à le financer. Alors évidemment, il faut que ce soit un budget qui corresponde aux compétences de la ville, soit un budget qui corresponde aux finances de la ville, et qui soit techniquement faisable. Bon, bien sûr, il y a quand même quelques conditions, mais ça a été parfaitement respecté la dernière fois, et on est en train de mettre en place ces différents projets. Donc on va recommencer. J'ai souhaité qu'on n'attende pas la 5-5-1 pour ça, puisqu'il y a une grande part qui est une part d'Internet. Là, on peut très bien lancer des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets par Internet. Donc ça, on va le lancer maintenant, avec une période aussi pour déposer les projets. Attendez, je regarde un peu les fiches. Donc on le lance à partir du... Voilà, ben tout de suite, là. 3 décembre, et vous aurez jusqu'au 12 février. Donc, on laisse du temps, mais c'est pour ça aussi qu'on le fait tout de suite, jusqu'au 12 février pour déposer. Après, on fait travailler un peu
les expertises pour voir l'analyse des projets. Et ensuite, après, ben, vous pouvez voter au mois de, entre le 15 mai et le 20 juin. Donc, vous pourrez voter pour qu'on puisse, on puisse adopter ces projets. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est le temps de l'imaginaire, de la conception, de l'innovation, de la créativité. Donc, voilà. Allez-y. C'est super, ça aussi, quand même. Des projets qui viennent de vous. Voilà. Et j'ai remarqué que, d'ailleurs, ça passionne beaucoup de gens et que les gens se regroupent. Il y a rarement un projet qui est présenté par une personne, les gens se regroupent. Et même, j'ai observé qu'il y avait une sorte de campagne électorale là, pour faire aboutir son projet. Voilà, les gens se fédèrent entre eux pour dire « Votez pour mon projet, il est meilleur que celui de l'autre », mais voilà, ça fait partie aussi de la démocratie. Nora. Le collège qui devait se construire à la plaine de sport de Beuse, c'est toujours d'actualité. Oui, Nora, c'est d'actualité. Le projet a même été choisi par le conseil départemental. Hein. Je vous rappelle que c'est pas la ville qui construit les collèges et qui décide des collèges, mais c'est le département. Mais on l'a fait en concertation avec le département. C'est tout à fait d'actualité. Le projet a même été choisi, là. Donc, ça veut dire l'architecte a été choisi. Donc, on est là et on espère que le projet ouvrira en 2024. Donc ça fait partie de la longue liste des projets du conseil départemental qui a constaté qu'il y avait une insuffisance du type de cet équipement scolaire. Je remercie le département d'avoir évidemment pensé à Mérignac pour ce nouveau projet. Vous savez également que le collège Jules Ferry fait l'objet d'une rénovation très importante. En fait, vous n'allez pas reconnaître Jules Ferry, hein. Mais on garde un certain nombre d'éléments pour que le collège reste ouvert. Et donc, pendant l'ouverture du collège de Jules Ferry, vous aurez des travaux et là aussi vous aurez un collège qui sera quasiment remis à neuf. Donc, merci encore une nouvelle fois à Jean-Luc Glaize et au département de se préoccuper de nos besoins scolaires de Mérignac. Le projet Tarmac, me demande Pierre. Bon. D'abord, c'est un projet auquel je tiens beaucoup, Pierre. Bon, voilà. Et donc là-dessus. Pour moi, il n'y a pas à avoir d'ambiguïté. C'est un projet majeur, qui est majeur pour notre ville, bien sûr, qui est une ville importante en matière d'aéronautique, qui est majeur pour notre métropole, parce que c'est un projet qui va créer des emplois, mais c'est un projet qui est majeur pour notre pays, et pour deux raisons. Majeur pour notre pays, parce que notre pays a encore une grande force industrielle, vous savez qu'on n'en a pas beaucoup, hein. On a encore une grande force industrielle qui est l'aéronautique. Et cette grande force, elle repose sur plusieurs bassins, notamment Paris, notamment Toulouse, notamment Bordeaux-Mérignac. Et donc, c'est bien qu'on garde cette force industrielle. Et c'est quoi l'idée de Tarmac? C'est l'idée que la difficulté aujourd'hui, d'hier, pas d'aujourd'hui, la difficulté d'hier de l'aéronautique et la difficulté de demain de l'aéronautique, vous avez remarqué que je fais un saut sur aujourd'hui, c'est de trouver des gens, de la main-d'œuvre, voilà, des gens qui travaillent. Et constamment, les industries aéronautiques m'ont dit, mais monsieur le maire, monsieur le président, nous, notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à recruter, quoi. Donc c'est quand même un paradoxe, dans un monde frappé par le chômage, dans un pays frappé par le chômage, qu'il y a une difficulté de recrutement pour des emplois qui sont qualifiés, qui sont bien payés, et qui sont tout à fait valorisants. Donc c'est quand même dommage. Donc Tarmac aura cette mission de former des salariés au métier de l'aéronautique, et en particulier à un métier nouveau qui va apparaître dans l'aéronautique, qui consiste à déconstruire des avions. Ah oui, il y a beaucoup d'avions, mais les quadrimoteurs, par exemple, c'est terminé, donc qu'est-ce qu'on en fait? Soit on les stocke dans un endroit, soit on déconstruit les quadrimoteurs et on récupère les pièces pour en faire autre chose. Mais la 380, qui est malheureusement un échec majeur de l'industrie française, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, là aussi, on sait que ça coûte trop cher, la 380, donc il faut en faire quelque chose. Donc l'idée, c'est de recycler les pièces des avions pour en faire quelque chose d'autre, et donc c'est tout à fait dans l'esprit d'une transition écologique. Et puis demain, quelle est aujourd'hui la grande question de toute l'aéronautique du monde, du monde? La grande question, c'est de prendre le tournant écologique et de faire des avions qu'on appelle les avions verts, donc avec des carburants différents de ceux qui sont aujourd'hui utilisés. Moi, je soutiens tout à fait ça. Je pense qu'on peut avoir des avions verts demain, et sans même attendre l'hydrogène vert qui, là, est pour sans doute 2035, donc c'est un peu tard, mais qu'avant on peut faire des combustions différentes, beaucoup moins polluantes, et qu'il faut également aussi qu'on pense à nos habitants, parce que nos habitants veulent monter dans des avions, mais ils ne veulent pas avoir des avions au-dessus d'eux,
quand ces avions font du bruit, ça, on peut tout à fait le comprendre. Donc, il faut qu'on limite les nuisances à la fois sonores et les nuisances écologiques des avions. Mais il y a une industrie très forte qui peut se développer avec qui répond à ces conditions. Jean-Marie, y a-t-il toujours à la police municipale quelqu'un qui s'occupe du stationnement ventouse ou des épaves? Oui, bien sûr. En fait, c'est pas la police, enfin, c'est la police municipale, mais c'est un service de la métropole qui gère les voitures ventouses et les épaves. On avait bien progressé là, dans les derniers mois, parce que j'avais obtenu que les services de la métropole qui s'en occupent, qui est en fait les maîtres parcs, puissent mettre à disposition des fourrières. Donc on avait une fourrière, on avait commencé à enlever un certain nombre de voitures, et puis vous savez, on est tombé sur une difficulté. La difficulté, c'est que aujourd'hui, il y a une saturation des espaces des fourrières. Et donc, on ne sait plus où les mettre, les voitures. On peut les enlever, mais après, on ne sait pas où les mettre. Non. Et donc, on a regardé ça vivant à la métropole. Il nous faut deux espaces, au moins deux espaces. Un sur la rive droite pour arriver à entasser ces voitures. Et donc, on est en train de faire l'acquisition. Et puis, un autre à Mérignac. Et donc, il y aura un espace supplémentaire à Mérignac. On a procédé à son acquisition. Donc, voilà, il existe. Donc, ça veut dire qu'on pourra déplacer les voitures, les mettre là. Et donc enlever davantage de voitures. Et puis après, il y a une autre petite delta, c'est qu'il ne faudrait pas que les voitures soient stockées dans ces espaces. Il faut ensuite après les détruire. Et donc là, c'est une discussion qu'on a avec la police nationale, cette fois-ci, hein, tout ça est un peu compliqué, pour que la police nationale accélère la destruction des véhicules qui sont stockés dans ces espaces. Donc la réponse, en tout cas, c'est oui, bien sûr. Il faudrait que ce soit plus rapide, il faudrait que ce soit plus massif. Il y a trop de voitures épaves un peu partout dans la ville et un peu partout dans la métropole. Alors, il y a jeunes bénévolats, un grand bravo à nos jeunes Mérignacais qui ont été lauréats du budget participatif, Jonathan et Osiris. Et ben, je m'associe à ce grand bravo pour Jonathan et Osiris. Ah, c'est une bonne question, Marion. Enfin, toutes les questions sont bonnes, mais celle-là, elle a un intérêt évident. Marion me demande, j'ai entendu dire qu'il y aurait une aide financière de 50 euros. Je suis bénéficiaire du RSA. Est-ce que je suis concerné? Oui, Marion, bien sûr que vous êtes concerné. C'est la première fois que la métropole va le faire. Nous, on l'avait fait au printemps pour les familles qui étaient en difficulté. On avait fait une aide de 100 euros par enfant de ces familles-là. Et je crois que ça a été apprécié. En tout cas, moi, j'ai vu. Évidemment, on a été très sollicité. Bon. Et donc, ce qu'on a fait à Mérignac, Mérignac peut aussi être un exemple pour la métropole. En tout cas, pour moi, c'est toujours une source d'inspiration. On va le refaire au niveau de la métropole. Donc, ça, c'est évidemment des situations beaucoup plus importantes, sous une autre forme. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner 50 euros, 100 euros par enfant, mais on va donner 50 euros par personne. Donc, toutes les personnes concernées, et vous, avec le RSA, Marion, vous êtes concernés. Vous pourrez évidemment en bénéficier, mais c'est 50 euros par personne. C'est-à-dire que si vous avez une famille de 4 personnes, au total, ça fait 200 euros. Et vous pourrez, avec cette aide, aussi bien acheter de la nourriture là, acheter des vêtements, acheter des cadeaux de Noël. Et pour que ce soit simple, parce que sinon, je voyais que c'était un peu trop compliqué, on accepte, nous, de faire un filament, on met notre chapeau sur l'ego institutionnel. Vous n'aurez pas une belle signature, tout ça vient de Bordeaux Métropole, du président de Bordeaux Métropole. Bon, tout ça, on le range dans nos tiroirs, on n'est pas là pour faire de la com. Donc, on a confié ça à la caisse d'allocation familiale. Donc, c'est la CAF, la caisse d'allocation familiale, avec qui on a signé une convention, qui va vous adresser cette aide de la métropole. Vous ne saurez pas que c'est la métropole, mais en fait, c'est la métropole. Et c'est une très bonne chose, parce que ça va vous aider, vous, et ça va aider également nos commerces. Si vous pouvez aller acheter près de chez vous, c'est également très, très bien. Fatima, est-il envisageable de prévoir une extension de la ligne 30 vers les deux poteaux ou la réalisation du trottoir afin de rendre le secteur plus en sécurité. Donc là, je vais regarder ça. Effectivement, le secteur des deux poteaux, j'y étais hier en extra-rocade, il y a moins d'habitants. Donc, quand il y a moins d'habitants, évidemment, il est difficile d'augmenter le nombre de bus, puisqu'on essaie de mettre les bus là où il y a plus d'habitants. Mais on va quand même essayer de regarder ça. Et vous savez que j'ai quand même lancé à la métropole l'idée d'un plan piéton
Ça va mettre du temps là aussi, mais je suis frappé quand même de voir qu'on s'occupe beaucoup de vélo et on a raison de le faire. On s'occupe beaucoup de transports en commun et on a raison de le faire. On s'occupe d'autres modes de mobilité, y compris de bateaux d'ailleurs. Sur la Garonne, il faut le faire. Mais on ne s'occupe pas trop du piéton. Donc il y a un plan piéton qui est en cours d'élaboration à la métropole, qui n'est pas simplement de dire voilà, il vaut mieux marcher qu'autre chose. On va le dire hein, quand même, hein, que pour la santé, c'est mieux de marcher. Mais un vrai plan piéton, c'est un plan où le piéton a des trottoirs qui sont libérés. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de voitures sur les trottoirs. Et on sait qu'il y a des voitures sur les trottoirs pour des raisons que parfois il y a des problèmes de stationnement. Donc il faut qu'on arrive à résoudre ça. Mais en tout cas, je ne veux plus qu'il y ait de voitures sur les trottoirs. Il suffit pas de le dire. Il faut trouver des solutions pour permettre aussi le stationnement de ces véhicules. Parfois, vous avez tout d'un coup devant vous là, un grand poteau. Vous avez ce qu'on appelle un mobilier urbain. Donc, il faut faire également de l'enfouissement. Parfois, les trottoirs sont dans un piteux état. Ça, c'est tout à fait exact. Et donc, il faut qu'on refaire les trottoirs, refaire le bitume. Puis moi, je souhaiterais même autre chose, c'est que le trottoir soit des lieux ombragés. Qu'au fond, par exemple, entre Capéron et centre-ville, bah oui, franchement, on peut y aller à pied. Hein, si toutes ces conditions sont remplies, et si vous vous sentez en sécurité sur les trottoirs et que tout ça est agréable, il vaut mieux marcher que de prendre sa voiture pour aller entre Capéron et centre-ville. Tout dépend évidemment de votre activité et pourquoi vous le faites. Hein. Des fois, vous êtes bien obligé de prendre une voiture. Mais en tout cas, oui, il y aura un plan piéton et donc on va améliorer considérablement toutes ces locomotions pédestres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a des questions qui se recoupent. De nouveau, une question sur le stade nautique métropolitain, mais je donne la réponse. Est-ce que cette année, il y aura le Père Noël à Mérignac? Ouais. Sabrina, ben j'ai une bonne nouvelle, Sabrina. Le Père Noël est déjà à Mérignac. Voilà. Et donc, si vous allez en centre-ville, sur la toute petite placette, là, vous voyez, entre l'avenue de Verdun et l'avenue du Général-Leclerc, vous allez voir un gigantesque Père Noël et même une boîte à lettres pour le Père Noël. Donc, si vous voulez envoyer une lettre au Père Noël ou si des enfants veulent envoyer une lettre au Père Noël, vous serez bien accueillis et la lettre ira vraiment vers le Père Noël qui même répondra. Voilà. Donc, moi, je suis partisan de toutes ces grandes fêtes qui sont des fêtes traditionnelles. C'est pas des questions de religion. Moi, je suis personnellement athée. J'ai même une difficulté à croire au Père Noël, mais bon, je n'empêche personne de croire. Pereira, j'ai entendu parler que vous alliez mettre des arbres, et donc il y avait d'ailleurs une autre question là. Oui, tout à fait. On a déjà commencé. J'ai parlé des piétons tout à l'heure et j'ai une autre préoccupation que j'appelle majeure, c'est de mettre des arbres. Alors pourquoi? Parce qu'un arbre, c'est plus qu'un arbre. Là où vous mettez un arbre, bah, vous avez des oiseaux, donc vous avez de la biodiversité. Là où vous mettez un arbre, vous avez de la fraîcheur. Hein. Ça, c'est même quantifié que un arbre permet d'abaisser de tant de degrés. Ça dépend du nombre d'arbres et du type d'arbre, donc je ne donne pas le nombre de degrés. Mais de tant de degrés la température. Un arbre, en plus, a cette grande vertu de prendre du carbone et d'en faire de l'oxygène. Voilà, c'est quand même particulièrement important. Et qu'est-ce que vous préférez voir dans une ville ou d'une façon générale? On aime voir l'arbre, on aime voir ses feuilles, on aime voir ses branchages, on aime voir les oiseaux qui sont sur l'arbre. Il y a même des arbres fruitiers que nous allons planter. Donc, moi, je suis un grand militant de l'arbre. Et j'ai proposé à la métropole qu'on fasse un plan 1 million d'arbres. Voilà. Donc, des fois, on me dit, mais vous êtes fou, 1 million d'arbres, on n'y arrivera jamais. Donc, je ne dis pas qu'on va le faire dans les 6 ans, parce que ça, ce serait abuser, sans doute mentir. Mais en tout cas, je pense que dans les 10 prochaines années, on peut arriver à 1 million d'arbres. On voit à peu près les endroits. Pas uniquement avec Extra Rocade, parce que là, c'est plus facile, mais également en plein centre de ville. Vous savez qu'à Mérignac en particulier, on a un projet de forêt urbaine qu'on discute aujourd'hui avec la Poste. Et donc, on avance pas mal avec la Poste sur 1300 mètres carrés. Donc, c'est quand même tout à fait significatif. Une forêt urbaine en plein centre-ville, là où il y a la Poste, et entre la Poste et puis
La médiathèque, 1300 mètres carrés, c'est quand même important. Et donc, l'autre jour, pas ce lundi-là, mais l'autre, on a commencé à aller planter des arbres le long de l'avenue François Mitterrand, près de l'aéroport. Et là, on a commencé à planter, à terme, il va y avoir 30 000 arbres, un peu moins 30 000 arbres, en fait, hein. Mais personnellement, j'y étais, il y avait d'autres élus avec moi, il y avait le personnel que je voudrais remercier de la métropole et de la ville. Voilà, on a dit nous-mêmes, on va y aller, on va aller planter ces arbres. Et donc, on a commencé à planter ces arbres. Donc, on aura déjà 30 000 arbres là, et on en aura un peu dans toute la ville. Et le jour de la Sainte-Catherine, à Bordeaux, dans une rue de Bordeaux, il y a eu également une mini-forêt urbaine qui a été plantée sur une dimension plus modeste, sur 280 mètres carrés, mais en plein cœur de Bordeaux. Donc oui, et j'incite tout le monde à planter des arbres. Il ne faut pas qu'il y ait simplement la ville. Il faut également qu'il y ait les entreprises qui plantent des arbres là où elles ont des bâtiments. Il faut que le monde associatif s'y mette. Il faut que vous, là, les habitants, vous-même, vous puissiez dire, bah, tenez, là, moi je peux dans mon jardin, je peux près de chez moi planter des arbres. Et d'ailleurs, on aura à un moment donné, tout ça est en train de se construire, on va vous remettre des plants. Et donc, vous pourrez vous-même planter des arbres. On essaie de planter aussi des arbres, parce que la question, elle peut se poser, qui nécessite le moins d'entretien possible. Voilà. Puisque, évidemment, il faut maîtriser aussi les coûts de tout cela, mais on a un superbe projet avec ce million d'arbres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand est-ce qu'on va commencer les travaux à avenue Marcel Dassault, entre le rond-point Girondins et le rond-point Martignas? Je pense que c'est en 2021, mais il faut vérifier. Et là, vous savez, hein, la raison d'être de tout ça, c'est qu'on va faire un lieu de covoiturage. C'est-à-dire que quand vous viendrez du bassin, par exemple, vous pourrez stationner à ces endroits-là. Et ensuite, après, il y a des navettes qui vous conduiront dans vos lieux de travail. Donc, ça évitera ces embouteillages monstres qui existent aujourd'hui sur cette voie. Alors qu'on a fait et les navettes, bien entendu, utilisera la voie de covoiturage, donc pourra, elle, se déplacer rapidement pour faire ce qu'on appelle le dernier kilomètre, ou un peu plus d'un dernier kilomètre. Écoutez, il y a beaucoup de questions encore, mais l'idée, c'est toujours de terminer à 20 h, et il est 20 h passées. Le collège, donc ça, j'aurais répondu. Si je veux répondre à cette question-là, bon, parce qu'on me demande. Pensez-vous titulariser les contractuels de la ville de Mérignac? Bon, franchement, là aussi. Pourquoi il y a des contractuels? Moi, je ne suis pas favorable aux contractuels. Le principe de la fonction publique, ce n'est pas le contractuel. C'est qu'on passe un concours et qu'ensuite, après, on est titulaire de son emploi. C'est ça le principe de la fonction publique, hein. Qu'elle soit d'État ou qu'elle soit territoriale. Bon, pourquoi on a des contractuels? Parce que, des fois, pour des emplois qui sont très spécifiques, et il faut avoir des gens qui ont une expertise et ils sont rares et donc on les emploie pour faire un projet. Et puis le plus souvent, c'est pas ça. C'est que vous avez quelqu'un qui tombe malade, bah, vous embauchez un contractuel. Et là, après, la difficulté, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est la loi d'ailleurs nous interdit. Le contractuel occupe cet emploi, mais quand la personne malade, elle revient, vous n'allez pas lui dire non, non, excusez-moi, retournez chez vous, on a embauché un contractuel. Bon. Donc il faut qu'on garde l'emploi libre. Voilà. Pour la personne. Et l'esprit du contractuel, ça doit être très clair dans l'esprit aussi de la personne qui bénéficie de ce contrat, c'est un contrat dans l'attente du retour de la personne qui était indisponible. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a des contractuels. On essaye, et on l'a fait, de titulariser les contrats dès que c'est possible. Donc voilà, quand on crée des emplois supplémentaires. Donc, on ne va pas non plus créer constamment des emplois supplémentaires. C'est une masse considérable. Et si on le fait, ensuite après, ben, il y a d'autres dépenses qu'on ne pourra pas effectuer. Et on a beaucoup de besoins à la ville de Mérignac. Donc là, parce que si vous posez la question, c'est que vous avez une idée derrière la tête. Merci de relayer ce que je viens de dire. Merci aussi que tout le monde ait conscience qu'on ne fait pas ce que l'on veut quand on est maire, mais on n'a qu'une seule préoccupation, c'est l'intérêt général et pas l'intérêt de certaines catégories. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée.